Benjamin va préparer un virement de bord lof pour lof avec toutes les voiles dessus, y compris les perroquets. Et on va essayer de pouvoir faire cette manœuvre avec 2/3 seulement au lieu des 3/3. Donc ça demande une préparation, une mise en place déjà en avance. Il y a tout un tas d'opérations. Et surtout, ce qui est important, c'est de coordonner les deux équipes. Une qui est à l'avant, qui va s'occuper uniquement du mât de misaine et du foc. Et l'autre équipe qui va s'occuper du grand mât et du mât d'artimon, ce qu'on appelle les mâts de l'arrière. Voilà, donc tout le monde est en place, l'officier de quart fait son briefing. Après, il s'arrange avec les deux chefs de tiers et chaque chef de tiers ensuite répartit son personnel sur les bras. C'est surtout une affaire de bras dans ce virement. Oh, vis ! Oh, vis ! Oh, vis ! Vis ! Vis ! Derrière, brassé ! Oh, vis 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 ! Et après, il n'y a plus qu'à ordonner l'évolution du navire. L'officier de quart devra coordonner la barre et le brassaillage des équipes. Gouverné au 235. On est au nouveau cap. On règle comme ça. Ouais, tourne comme ça.